Eh bien, salut à tous, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo résumée pour le match qui opposait le club de Sochaux contre le club du Havre. Très grosse victoire hein, de Sochaux, 4 buts à 0, l'exploit de Sochaux, même pas un exploit, genre. Les équipes devaient avoir à peu près le même niveau, les cotes étaient à peu près les mêmes, mais c'est Sochaux, hein, 4-0, qui aurait pu croire à une victoire aussi grosse hein. Alors, ce petit débrief du match, premier but à la 9e minute de Chris Bedia, hein, qui viendra marquer à la 15e minute un doublé. Et s'ensuit à la 21e minute un penalty, toujours pour Sochaux. Et c'est Brian Lasme hein, qui viendra marquer ce penalty. Après des grosses occasions de chaque côté, le prochain but sera encore pour Sochaux à la 69e minute. Et le hack hein, qui aura eu une lourde défaite. Hein. Pourtant, ils auront voulu attaquer tout le match. Mais bon, aucun but se sera concrétisé. Mais on va pas se le cacher. Sochaux a largement été au-dessus pour ce match. Hein, du coup, les clubs se placent à la 8e place pour Sochaux avec 4 buts d'avance. Et à la 12e place pour Le Havre avec 6 points de retard. Hein. Sochaux qui se relance bien. Après une défaite, un nul et deux défaites. Et le Havre hein, qui continue hein, sa troisième défaite d'affilée. C'est dur hein, pour le HAC. Après Caen de se prendre un 4-0 à Sochaux, c'est très dur. Hein. Mais bon, on va se relancer. Et Sochaux, faudrait qu'ils continuent leur lancée. Alors, je vais faire une présentation de maillot aujourd'hui. Alors, maillot pour Sochaux que j'ai. Et qui est inscrit au nom de Marange. Et ce maillot a été porté en Ligue 1. Il a été porté par Marange et a été échangé lors d'un fin de match contre Saint-Étienne. Et j'ai pu récupérer le maillot. Ce maillot du HAC est mi Mickaël Le Bihan. Hein. Ces deux joueurs ne jouent plus ni à Sochaux ni au HAC. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, ce maillot est dédicacé par Mickaël Le Bihan hein, qui a été dédicacé lors d'une séance d'entraînement. Voilà la fin des présentations de maillot. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être un résumé de match. Et là, j'essaie de faire des lives hein, pendant les matchs pour faire un peu le commentateur et parler de ce match en direct. Du coup, peut-être que la semaine prochaine, un deuxième live. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour en tout cas un résumé. Allez, à la semaine prochaine.